السلام عليكم اصدقائي التلاميذ مرحبا بكم معكم اليوم في قناتنا فرض للمستوى الاولى اعدادي ايفالياسيون نيميرو 1 دو لا لونغ فرونسيز دو دوزيام سيمستر دونك نقراو التكست ديالنا علي ايتانوم ميغ علي هو رجل نحيل سوليد كوم سا يعني قوي الفلوكا ديالو غران ريسبونسابل كبير مسؤول ان دي زوم كي سومبل في بور ات توجور ان كونتاكت افيك لور موند بريفيري لا مير يعني من بين الرجال هما كي يظهرون انهم تخلقوا انهم يكونوا على اتصال دائم مع الوسط ولا Il porte une salopette rouge, des bottes jaunes et aussi un chapeau gris. Il a un gros nez, un grand front, de gros yeux qui peuvent détecter les profonds secrets de la mer. يعني عينان كبيرتين اللي يمكن انها تشوف الخبايا ولا الاسرار ديال البحر يلوفو او برومي اسبي يعني من المظهر ديالو الاول اون فاغ روسومبلونس افيك كوستو يعني كيشبه لكوستو الشخصيه المعروفه ديال البحار مستكشف البحار كي ديكوفير لي سيني كاشي دان موند كومبليتمون ديفيغون دو نوتر كومبليتمون ديفيغون دو نوتر يعني هو اللي اكتشف الخبايا و ديال البحار اللي هو مخالف العالم ديالنا سي دون صو نواغ ايه يعني نادرة يعني قليلة اي سوداء سابوش اي غيدي مجعدة ولا مكمشة الفم ديالو سي ان اكسيلون

toutes ces qualités ont fait de lui une personne respectueuse. Donc kulhad Mazaya jallet menu insan muhtaram. Compréhension. De enfin, Qui est le personnage décrit dans ce texte? Mon sofa ici ya Ali. Propose un titre à ce texte. Donc, on a un homme maigre. Ou là, le marin maigre. Le bachar, nahil. Trois, Complète le tableau suivant à partir du texte. On a les parties de corps, le nez, l'anf. Il est gros. La bouche ridée. Les yeux gros. Le front grand. Et les dents sont noires et rares. À deux les caractérisons.

on a le premier adjectif professionnel, mihani, excellent, jayid, respectueux, mohtaram. Relève la description de la tenue vestimentaire d'Ali. Elle porte une salopette rouge, des bottes jaunes et aussi un chapeau gris. Complète le tableau suivant par les indicateurs spatio-temporels. Est-ce qu'un goulot spatio, c'est-à-dire -ce le lieu, un le temporel, wa? Zaman. La phrase demain j'irai au souk hebdomadaire d'Agadir. Un indicateur spatial, souk hebdomadaire d'Agadir. Un indicateur temporel wa Demain. Les vaches sont dans l'écurie. L'écurie, il y a le hadira. temporel. Indicateur indique la nature des caractérisants dans les phrases suivantes. Ali avait un nez fin. Donc, il a fin, c'est un adjectif. Cette fille portait une veste en cuir. Il en a en cuir, c'est un complément de nom. Il y a de un Les veste. Il y en a la préposition. Soit deux, soit à, ou là en. Tu proposes à ton ami d'organiser un pique-nique. Dimanche prochain, en justifiant la raison de ton choix. Je te propose d'aller à la forêt dimanche prochain, car il fait beau. 4. Souligne les indicateurs de temps et indique si le moment de l'action est au passé, présent ou futur. On a dimanche passé, Nadia est restée toute la journée au lit. Donc, on a le passé. On va au dimanche passé. Maintenant, il fait beau, le soleil brille dans le ciel clair. Donc, on a maintenant, c'est le présent. Il indique le présent. Les travaux de restauration. Les travaux de restauration de musée finiront finiront le mois prochain. Là, le mois prochain, c'est, il indique le futur. 5. Souligner et classe les adjectifs qualificatifs selon leur, leur fonction. Selon leur fonction. Attribut, épithète ou apposé. Phrase. Allez, est un nom maigre. Un l'adjectif, il est lié directement au nom. c'est, épithète. C'est dans son ras. On a qu'un intermédiaire, la loi cétadielle, qu'un binatum, le verbe d'état, le roi être, un a attribut Fatigué, virgule, le pêcheur s'allongea sur son lit, on a apposé dans donc slow, mais le nom qualifié, c'est est -être la virgule. Bon courage. Les travaux. les travaux de restauration du musée finiront le mois prochain. A le mois prochain, il indique le futur, il exprime le futur. Le musée, et la restauration du musée, c'est Tramim Al-Mathef. 5. Souligne et classe les adjectifs qualificatifs selon leurs fonctions, attribut, épithète ou apposé phrase, est un homme maigre, un un homme lié euh, directement, un lié directement à l'adjectif donc chez que ici c'est épithète. c'est dans son rat donc il y a lié par l'intermédiaire le verbe d'état ou donc il y a un chose attribut. Fatigué, virgule, le pêcheur s'allongea sur son lit. Donc, il a l'adjectif, la virgule, le ism, le qualifié. Donc, il y a un goulot à poser. Le Bon courage.